sitting by the crossroads. Brothers are passing me by. Tell me there is no hope. I see that they are so high. Downtown insurgents, downtown. Police cars and the traffic lights. Pictures on their windows. Hoping there is no fight. Cause everything is so slow. While I cultivate my time with my Ray-Ban song downtown in San Jose. Downtown in San Jose. Downtown. Well, my woman, she's in the traffic jam. She might get home a bit late. I think I'll tell her next time. Forget that T-bone steak. Oh, but it's often the truth. Évidemment, bon, on s'y est mis un peu tous, que ce soit à la caméra, que ce soit au son, que ce soit à la perche. Donc on a vraiment été lâchés, mais tout de suite sur le on the spot, enfin vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de spontanéité dans ce qu'on a fait, dans le sens où on n'était absolument pas prêts. Personne ne savait vers quoi on allait. Et surtout, on est encore loin de s'imaginer ce qu'on va avoir comme résultat final. Et je pense qu'on va être agréablement surpris. J'espère. Voilà. Downtown needs some jazz. Downtown. Mais no mistake. Tu m'as donné ce jour-là un appareil que je n'avais pas du tout, qu'il fallait absolument autant de clarté, sinon ça ne marchait pas. Non, oui. J'étais un appareil que je n'avais jamais employé. Donc il y a une attente qui est assez claire, c'est le fait de participer à un groupe. Et ça, je pense que c'est une dimension essentielle. L'autre, c'est d'aller dans les lieux culturels. Et je pense que l'atelier photo, dans la perception que j'en ai, est un moyen de se réunir, un prétexte, disons, de se réunir, d'avoir ces échanges, d'avoir ces discussions, d'aller dans les lieux culturels. Mais je ne suis pas sûre, je ne pense pas que la motivation première soit d'apprendre la photo, ou de vraiment avoir un objectif précis, de montrer son rapport à la chose photographiée. Quoi. Donc moi, je me dis, laissons-nous le temps. Hein, de toute façon, il y aura déjà l'expo à Amalia. Quand ? Le 26 juin. Donc on est alors on imagine que les expos sont durent un an et qu'on fasse un mois dans chaque antenne, un truc du genre. Quoi. On pourrait faire une comète comme ça. Oui. Tu sais, ou comme un escargot. Ben oui. Eh ben, voilà, tu vois, eh ben, tu prends les photos là, du papier collant, et tu le fais sur le mur. Tu fais ton... J'ai beaucoup aimé les discussions qu'on a eues entre nous. Par rapport à la photo, l'éthique de certaines photos, est-ce qu'on les prend, on les prend pas, etc. Et donc pour leur faciliter. Et alors effectivement, moi, je trouvais très chouette parce que il y a peut-être un moment où j'avais pas trop envie d'aller à des spectacles seul et tout ça, et le fait de pouvoir faire partie d'un groupe, pouvoir échanger, ça m'a beaucoup plus motivée à aller justement dans ces endroits-là, quoi. De tout le monde, et je ne peux pas dire ça c'est une photo d'une telle et ça c'est une photo d'un tel. Non, c'est l'ensemble, le global, quoi. J'aime bien ces photos. C'est ça qui me passionne, c'est comment amener, comment donner les moyens à différents niveaux à des personnes de prendre conscience et d'affirmer aux autres son identité dans un groupe. Quel est ce groupe, d'en sentir les frontières, les spécificités. On a très peu d'argent, on doit aller le chercher ailleurs, c'est-à-dire des colis, des si. Donc pour avoir des colis, il faut des papiers, des attestations, des si et là. C'est comme si on travaillait, on court malgré tout, quoi. Je veux dire, même si on est au CPS, quoi. Donc, quelque part, on gagne son CPS.
Mais en plus, on a fait ceci, et là, ça nous a donné une dynamique très agréable. Voilà, c'est pas seulement aller toucher au CPS tous les mois. Donc le CPS doit bien se rendre compte que ces personnes sont actives et qu'elles ne restent pas se rouler les pouces comme on pourrait le croire. Et cette initiative, elle a quelque chose de bien, c'est que ça vous fait vraiment sortir de votre train-train, de découvrir un autre monde, une face cachée, d'autres personnes, à redécouvrir les gens comme quand on était jeune. Quand on était jeune, on connaissait beaucoup de gens parce que c'était normal. Et puis avec l'âge, on se retrouve seul. Et là, à nouveau, on rétablit le contact sociologique. Quelque chose justement d'un point de vue économique, parce que bon, c'est vrai que bon, j'ai toujours eu des tendances à vouloir faire des choses créatives, mais il n'y a rien à faire. Tous ces stages, toutes ces initiations, ça coûte de l'argent. Et je ne suis pas en mesure en ce moment de payer quoi que ce soit. Donc moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, bon, une caméra, une perche, oui, parce que là, vous ne le voyez pas, désolé, logiquement, il faut faire semblant que vous n'existez pas, mais il y a un caméraman, il y a une perchiste, enfin, il y a tout un monde. Tout ça, c'est du matériel qui se paye, qui se loue, même pour se louer, je ne parle pas de l'acheter, mais ça se paye. Et si on voulait participer à un stage de ce genre de choses dans le domaine associatif ou privé, dans une école d'art, on n'en a pas les moyens, quoi. On n'en a pas les moyens. Je pense que c'est pareil pour n'importe quel atelier, poterie, céramique, bijoux. On n'a pas les moyens d'investir. Et ça, c'est ce que j'ai quand même beaucoup aimé quand on a proposé cette activité, c'est qu'on pouvait se le permettre. Je veux dire, même nos cartes de tram, nous aussi, pour ceux qui ne sont pas l'abonnement Vipo ou quoi que ce soit, même nos cartes de tram ont été remboursées. Ça a l'air con, mais c'est fondamental, quoi. C'est fondamental. Et je trouve ça assez beau de pouvoir avoir accès à une technique qui est quand même assez sophistiquée,
sans que ça me coûte de l'argent, quoi. Moi, je dirais, je veux la suite. J'ai fait mon initiation, maintenant je veux le module débutant, et puis je veux le module moyen, et puis je veux le module perfectionnement. Je veux la suite, quoi. Dans cette équipe, il y a cette complémentarité, il y a aussi un esprit de groupe, on a tous des appareils différents qui ont été mis à la disposition par je pense la communauté française. Des appareils manuels, il y a des appareils un peu plus perfectionnés, mais personne essaye d'avoir tel ou tel appareil. Chacun se contente de son appareil. Et comme la photographie, c'est quand même quelque chose d'assez individualiste, parfois il y a des groupes en photographie qui ne fonctionnent pas à cause de l'individualisme. Et ici, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, c'est peut-être un peu le choix du thème aussi qui fait ça. Ça, c'est bien possible. Oui, bah, de toute façon, je veux dire, ça déteint, je veux dire, cette sorte d'ambiance, de groupe, ça c'est sûr, de la zineke, ça déteint un peu. Et je crois que d'atelier, on découvre plein de choses. Point de vue esthétique, point de vue fantastique, de la création pure et simple. La diversité aussi des ateliers, des couleurs, de la fabrication, la rencontre avec les gens qui le font, qui l'ont créé, c'est très enrichissant, c'est quelque chose qui apporte énormément, même si on va l'oublier peut-être par après, mais on vit quand même quelque chose d'un peu exceptionnel dans Bruxelles. Quand vous participez à des ateliers comme ça, vous avez la chance de créer des liens d'amitié avec les autres, l'esprit de collaboration dans le travail. Et quand on se découvre, il y a maintenant l'esprit de complémentarité qui se crée. Et quand ça se crée, il y a la solidarité et le travail est très génial, c'est-à-dire les résultats final. C'est ce que nous avons remarqué depuis qu'on a commencé, que nous formons déjà une très très belle équipe. Je crois que ça serait une bonne réussite. Dis-moi pour notre équipe, hein, des photographes, des watermen. En plus, c'est pas professoral, quoi, je veux dire, comme enseignement. Je veux dire, on est là, c'est la bonne franquette, quoi. Je veux dire, c'est pas, on n'est pas devant un tableau noir et on a fait des devoirs à faire et des choses comme ça. Donc. Ah non, il n'y a aucune raison de ne pas venir aux ateliers. Je serai au CPS, j'irai aux ateliers. Moi, l'atelier rap, c'était vraiment une leçon de vie, quoi. Vraiment. Et ce mélange d'âge, de culture et de... Je crois que, point de vue humain, ça apporte aussi énormément, quoi. Énormément. Dans la photo, il y a la révélation, parce qu'il y a l'impression, donc... Et dans le rap, c'est vraiment, pour moi, l'expression. Et l'expression, aussi bien physique que... Donc ça c'est vraiment, je crois que c'était vraiment un atout pour la jeunesse et pourquoi pas pour les plus âgés. Oui. Merde, je veux qu'il goûte à mère qu'il fabrique. Je pense, je réfléchis et je décide. Je pars, je m'exprime avec mes pensées. On te guide mais tu choisis ta route. Serai-moi papa parce que j'ai grandi dans mes habitudes. Et c'est ça ma route. Comment ça deux commencera la vie dans 50 ans? Imaginez un peu ici. Le boulot rond des dents, l'école. Hein? L'école. Il part comme ça, il part comme ça, l'autre il part tout droit. Allez, votre cul. Vous avez vu, il y a des règles de poésie, là, vous voyez ? Composition de rap, une chanson rap, les rimes qu'il faut faire, et c'est en accord avec la poésie. Hein. Donc c'est quand même un art structuré. Mais oui, c'est un art structuré, c'est ce que les gens ne savent pas, en fait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il y a toujours de l'espoir, il faut vivre le vouloir, persister avant de fuir sur notre
Ça a disparu depuis une éternité. Les gens ont envie qu'on leur foute la paix, mais ils ne veulent pas faire la paix. Comme s'ils voulaient mourir alors qu'ils ont envie de vivre. Violence, guerre, amour, racisme, trois faits négatifs, se casser, excessif, assez. T'as le problème contre le monde, t'as une haine, ben, tu t'assieds, tu l'écris, c'est tout. C'est qu'est-ce la réalité. La mais qu'est-ce qui n'est pas violent aujourd'hui? Vous regardez CNN, il n'y a que ça. Euronews, il n'y a que ça. TF1, il n'y a que ça. Il n'y a que du sang ou du sexe. Et vous allez me dire que ce qu'on dit, c'est violent, mais c'est par rapport à ce qu'ils vivent. Moi, je suis content parce que grâce à ça, je vois leur état d'esprit de certaines de chaque génération. Et de toute façon, les rappeurs, ils ont tous quelque chose à dire. C'est pour dire quoi? Que s'ils ne passaient pas des heures devant une feuille ou des heures à essayer d'attraper un rythme, il serait sûrement dehors, devant chez vous, probablement à casser la porte et à rentrer. Voilà. Et le rap, on dit aujourd'hui que le rap, c'est un truc de mature, de gens grossiers, de violents. Ben oui, il y a ça, mais à un autre côté, c'est que ce qui se passe en ce moment, c'est les filles qui sont en train de prendre le dessus. Le monde en a assez de moi, que tu recoupes pas, tu veux tout ça avec des gens. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il y a des gens qui pourraient se dire, mais voilà, qu'est-ce que c'est que ces gens du CPAS? Est-ce qu'ils ne devraient pas plutôt être occupés à chercher du travail? Est-ce que ce n'est pas un peu facile de faire des trucs comme ça? Maintenant, ils n'en foutent pas une rame, on leur donne du pognon, c'est des parasites, c'est des profiteurs, et en plus, on leur permet de faire des activités artistiques. Et je trouve qu'on est dans un monde très productif, très industriel et très terre-à-terre, et qu'effectivement, en ce moment, on a une tendance à déconsidérer tout ce qui relève d'autre chose que vraiment de la productivité pure et dure et de ce qui rapporte ou dépense du pognon. Je voudrais quand même dire, je ne trouve pas que cette activité soit un luxe. Je ne trouve pas que c'est un luxe. C'est une chance, c'est agréable à faire, mais ce n'est pas un luxe. C'est quelque chose d'assez fondamental, parce que certaines personnes au CPS ne sont pas en mesure d'abord pour des raisons psychologiques ou des raisons de rythme ou de perte de confiance en elles, d'aller demain trouver du travail. Elles devront peut-être passer par des formations ou quelque chose comme ça. Mais déjà, ce genre d'activité, ça permet effectivement de se restructurer, de faire les choses de façon un peu ludique, de passer outre certaines peurs, parce que moi, j'avais la trouille, la caméra sur l'épaule. Quand il m'a mis la caméra sur l'épaule, j'ai dit, mais je ne sais rien faire, caméra sur l'épaule. Je veux dire, c'est toute une série de défis qu'on se lance à soi-même, prendre un risque, prendre sa place dans un groupe, se pointer, se structurer, réfléchir un peu à ce qu'on va faire. Et je trouve que c'est déjà quelque chose qui est revalidant d'un point de vue sociétaire, d'un point de vue social. C'est pas un luxe, on n'est pas en train de se la péter, on gagne pas des fortunes au CPS, on n'est pas en train de se la péter, de se la couler douce en demandant des activités artistiques pour le plaisir de continuer à ne rien foutre. C'est pas, je voudrais le dire parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui doivent enrager en se disant quoi, ils en foutent pas une rame, ils coûtent à la société et en plus maintenant on leur paye des activités artistiques. Non, c'est pas dans ce but là que c'est fait et c'est pas comme ça qu'on le vit non plus. On n'est pas en train de se dire ouais, chouette bon plan, allez pendant 10 ans ils vont nous payer des activités artistiques et on va pas solutionner nos problèmes. Non, c'est pas à ça que ça sert. C'est pas du tout à ça que ça sert. Et ça, je voulais quand même le dire. Everybody's got a bit of everything. No one got really what they want. Everybody smiles. More to pick me up next time when I
taste. I just wanna eat. Know my life's a waste. Really don't wanna keep.